بمدينة بورجي كان مسلمو فرنسا على موعد مع معرض المسلمين الذي ينظم سنويا ويستقطب نسبة مهمة من الجالية المسلمة بفرنسا، وهو مناسبة للقاء المقاولات والجمعيات والمستثمرين ومناسبة للتعريف بمشاريعهم. Avant tout, nous remercions Allah تعالى de nous avoir donné cette possibilité, la possibilité de d'exposer parmi ces créatures notre projet pour la ville de Provins. Voilà, la ville de Provins qui se situe en Seine-et-Marne, à l'est de la Seine-et-Marne, à 100 km à peu près de Paris. Donc on a eu, si vous voulez, l'aide des autorités locales qui nous ont donné l'occasion d'avoir un terrain de 4000 m². Sur ce terrain de 4000 m², nous allons édifier, si vous voulez, une mosquée, un centre culturel destiné à l'apprentissage de la langue arabe, au soutien scolaire pour tous les enfants, hein, sans distinction. Pour tous les enfants sans distinction. Il y a une salle de conférence, comme on le présente ici sur le plan. Regardez là au milieu, c'est le projet de la mosquée. À gauche, vous avez le centre culturel et puis vous avez la salle de conférence. Donc toutes les options techniques au point de vue urbanisme et tout ça ont été faites. On a eu le permis de construire. Donc là, ça fait 2 mois qu'on a eu le permis de construire. Et bien entendu, nous faisons appel aux dons des gens qui veulent bien aider la mosquée pour faire avancer les choses, si vous voulez. La ville de Provins est une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous avons, si vous voulez, fait appel à un architecte compétent qui a pu intégrer, si vous voulez, l'architecture de la mosquée en elle-même à l'ensemble de l'architecture de la ville. Donc ce stand, il est destiné à faire connaître déjà le projet et en même temps sensibiliser les gens, et les gens généreux bien sûr, à participer, si vous voulez, à ces offrandes pour nous aider à financer le projet de la mosquée. Ce projet-là, vous savez, il y a 2 cas de figure. Il y a des projets qui sont financés directement quand les gens ont des fonds. Et il y a d'autres, il y a une deuxième manière, c'est le financement en faisant appel à des entreprises agréées, bien entendu, dans les normes techniques et technologiques. Et il y a des entreprises qui viennent bénévolement, si vous voulez, pour l'amour d'Allah, pour l'amour de Dieu. Ça, je ne vous l'apprends pas. Et donc ces gens-là, ils viennent avec leur matériel, leur savoir-faire, leur personnel, et ils contribuent à la construction, soit au niveau des fondations, qu'au niveau de l'embellissement, qu'au niveau des structures. Moi, je passe le seul message à ma famille humaine, l'humanité, toute l'humanité, toute l'humanité. Je leur dis une seule chose, l'islam vous dit, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il nous aime tellement, et il ne veut pas nous voir, il ne veut pas nous voir nous batailler, nous disputer, nous entre-déchirer pour quelque chose que nous avons entre les mains et qui est à nous. Ce bas monde, il est à nous. Tournons-nous plutôt vers notre Seigneur, demandons-lui le pardon et aimons-nous et vivons en paix sur ce bas monde. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. Associatif.
et maintenant à Paris. Pourquoi nous sommes ici? Apprendre l'islam. Nous sommes là pour adapter l'islam pour les sourds. De Bruxelles et on est venu sur le Bourget pour la rencontre annuelle des musulmans avec notre boutique qui est déjà connue à Bruxelles qui est Boutique Salem. Et ça fait notre cinquième année qu'on est sur place pour présenter les produits qui viennent du Maroc comme beaucoup de robes ou de kandoura qui viennent de Marrakech ou de Tanger. Ou sinon on a une librairie comme je vous ai dit à Bruxelles où ce qu'on représente nos produits comme des livres ou des CD de notre production, production Salem, et l'édition Al-Fajr de notre production. Je souhaite à tous les gens, tous les musulmans, les non-musulmans surtout, et ce serait bien un message aux non-musulmans pour voir, entre guillemets, qui sont les vrais musulmans. Entre guillemets, je veux dire. Parce qu'ils nous montrent souvent, par exemple, on va dire, on est à Paris ici, les clichés des banlieues. Ils disent, regarde, encore les musulmans, encore les musulmans, encore les arabes, encore les arabes, encore les musulmans. Non, ici, vous voyez, tout le monde sourit. Salam alaikum, bonjour, bonjour, tout le monde connaît, wa alaikum, bonjour et tout ça, vous voyez. Et on ne connaît même pas la personne. Et c'est ça qui est bien. Non, c'est pourquoi wa alaikum, bonjour, parce que la plupart des gens, ils viennent et me disent, c'est des musulmans, ils te disent, bonjour mon frère, bah, wa alaikum, bonjour, tu vois. Mais bon, on apprend à se connaître et tout ça, et on voit le comportement des musulmans. C'est pas comme nos frères. En banlieue, qui restent toujours nos frères, qui restent des musulmans et qui sont un peu avec les problèmes de banlieue et tout ça qu'on comprend et que, espérons, ça serait résolu. Je remercie les représentants du Bourget de Paris d'accueillir et d'organiser cette foire et pour qu'on rencontre la plupart des musulmans de Belgique, France, Hollande et surtout les commerçants pour faire découvrir leurs produits. Ici, nous sommes au Bourget, donc c'est la rencontre de toutes les organisations musulmanes de France. C'est un événement qui a lieu une fois par an, qui est très connu. Il y a des personnes qui viennent de toute la France et d'où l'objectif, c'est que tous les musulmans de France ou de Belgique ou de Suisse, il y a énormément de personnes qui viennent de plusieurs pays, se rencontrent et c'est une place où se rencontrent à la fois les entreprises et les musulmans entre, ou les associations que nous sommes nous aussi ici. Notre présence ici a lieu parce que on a mis en place une télé sur internet. L'objectif de cette télé, c'est la première télé pour les musulmans francophones. Aujourd'hui, un musulman qui ne pratique pas la langue arabe a des difficultés pour comprendre l'islam. Il a en face de lui internet où on trouve énormément d'informations et ça peut être des informations qui peuvent être fausses et d'autres qui le sont un peu moins. Donc nous, notre objectif pour cette télé, c'est d'être, on va dire, une télé de référence pour ces personnes-là. Il n'y a pas de télé aujourd'hui, on voit le modèle anglo-saxon. En Angleterre, vous avez des chaînes, il y a plus d'accessibilité pour ces communautés-là. Et nous, on a créé cette télé-là pour les Français qui désirent pratiquer leur islam et qui cherchent, on va dire, du contenu de référence. On va dire ce projet, on va dire, il a démarré il y a 2 ans. Il a démarré il y a 2 ans. C'était dans un coin du cerveau avec moi et un ami de longue date. Et on va dire, ça fait 6 mois qu'aujourd'hui, la télé existe. Et aujourd'hui, notre présence au salon, pourquoi cette présence? Parce qu'on cherche des personnes dans le monde francophone sur lesquelles on pourra se baser pour relayer des informations. On cherche des informations locales, que ce soit à travers la France ou dans les autres pays, pour donner une information, on va dire, de proximité. Aujourd'hui,
l'information qu'on veut relier, c'est un contenu, on va dire, de référence. Pourquoi je dis de référence? Je répète souvent ce mot, c'est qu'on travaille énormément avec des savants, des shoyur, qui nous transmettent du contenu qu'eux, ils ont, à travers des conférences qu'ils réalisent. Et tout ça dans l'objectif, c'est-à-dire qu'ils nous transmettent ces informations, nous on les met à disposition sur la télé pour tous les visiteurs, tous les téléspectateurs. Donc c'est muslimmedia.tv. Aujourd'hui, donc, on est en train de monter le programme. Donc il y aura des dessins animés en français, doublés en voix ou sous-titrés en français. Il y aura des conférences pour les femmes, pour les soirs d'après-midi. Un journal qui sera mis en place avec l'information locale grâce à ce réseau de reporters qu'on a mis en place. Et énormément de programmes avec des personnes, des débats sur l'islam. On est une télé vraiment 100% islam, 100% Coran et 100% science. Les liens que j'ai avec le Maroc, mes parents sont marocains, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France, j'ai travaillé en France et il y a 2 ans j'ai fait le pas d'un retour au pays. Donc avec la personne avec qui aujourd'hui nous avons fondé la télé, nous sommes à Casablanca, nous avons une société spécialisée dans les systèmes d'information en logistique. Donc mon message que j'aimerais faire passer au Maroc, c'est qu'il me manque, ça fait 3 jours que je suis en France et j'ai un peu le mal du pays malgré que je suis né en France.